La main droite de Zoé est grande ouverte. Un diamant parfaitement taillé posé sur la paume. Sa main gauche est solidement repliée. Quelle main choisissez-vous? Êtes-vous d'ailleurs en mesure de choisir? Que savez-vous de Zoé, de ce qui se trame derrière ses paupières? Que voyez-vous sur l'écran des apparences? Nous allons partir. Levez votre bras droit et cherchez avec votre main le garde-corps. Posez votre paume bien à plat sur le relief et glissez-la en marchant très lentement. Arrêtons-nous un instant et profitons du paysage. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire « J'ai l'impression d'être déjà venu ici ?» Oui, ce vent caressant, cette odeur de lavande. À gauche, ce square habité par le chant strident des martinets. À droite, cette rue qui file bordée d'eucalyptus centenaires. Bon. Reprenez contact avec le garde-corps et continuons notre chemin d'un pas très lent. Ah, vous venez de perdre le relief de vos pensées. Nous sommes arrivés dans un pays immense, aussi immense que celui du grand Kublai Khan. Saviez-vous que le Khazanier, roi des rois, envoyait des ambassadeurs aux confins de son empire afin d'en connaître toutes les splendeurs? Marco Polo, le plus connu d'entre eux, fatigué d'un voyage de 24 ans, restait secrètement au palais et décrivait le soir venu au Grand Khan des villes dont les plans étaient tracés à l'encre sympathique et se révélaient à la seule lumière de l'imaginaire. Relevez doucement les volets de vos lunettes pour y faire entrer un peu de lumière. Pénétrez dans le tunnel en faisant bien attention où vous mettez les pieds. Voilà, installez-vous confortablement sur la caisse et posez consciencieusement vos pieds sur les traces de pas de Marco Polo,
Je vous laisse avec lui et qui sait, peut-être nous reverrons-nous un jour. L'homme qui voyage et ne connaît pas encore la ville qui l'attend sur sa route se demande comment seront le palais du roi, la caserne, le moulin, le théâtre, le bazar. Dans chaque ville de l'Empire, chaque édifice est différent et a une place particulière. Mais à peine l'étranger arrive-t-il dans la ville inconnue et jette-t-il un regard sur cette pomme de pin de pagode, de mansarde et de grange, suivant les capricieux dessins des canaux, des jardins et des tas d'immondices, que tout aussitôt il y reconnaît les palais des princes, les temples des grands prêtres, l'auberge, la prison, les bas-fonds. Ainsi, dit-on, se confirme l'hypothèse selon laquelle tout homme a, dans sa tête, une ville qui n'est faite que de différences, une ville sans forme ni figure, et les villes particulières la remplissent. Ce n'est pas ainsi qu'est Zoé. En tout lieu de cette ville, on peut à l'occasion dormir, fabriquer des outils, faire la cuisine, accumuler les pièces d'or, se déshabiller, régner, vendre, interroger les oracles. N'importe quel toit pyramidal pourrait coiffer aussi bien le lazaret des lépreux que les thermes des odalisques. Le voyageur tourne et revient sur ses pas, possédé par le doute. Il ne parvient pas à distinguer les différents endroits de la ville. Ses propres catégories mentales en viennent à se mélanger. Il en déduit ceci. Si l'existence, en chacun de ces moments, est tout entière elle-même, la ville de Zoé est le lieu de l'existence indivisible. Mais alors, pourquoi la ville? Quelle ligne sépare le dedans du dehors? Le grondement des roues du hurlement des loups? Attention, stop! Vous ne l'avez pas vu venir? C'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah, la vue. On voit, et puis on prévoit, et puis on ne voit plus. Est-ce que vous aussi vous cherchez un chemin pour sortir des apparences? Marco Polo est déjà passé par là avant nous. Je vous propose de suivre les cailloux qu'il a semés. Allons-y doucement.
Le chemin s'arrête ici. Notre regard se heurte à la façade austère du bâtiment juste devant nous. Empruntez avec vos yeux le chemin qui le longe et poursuivez-le au-delà de votre champ de vision pour découvrir l'horizon de votre imaginaire. Ce chemin ne vous emmène-t-il pas dans de luxuriants jardins suspendus ? Ajustez vos oreilles à ce nouvel horizon afin de percevoir les frémissements sonores provenant de la quatrième fenêtre du deuxième étage en partant de la gauche. Ne serait-ce pas la rumeur du souk de Ouarzazate ? Ou bien les froissements d'ailes de splendides oiseaux migrateurs ? Ou bien encore... Pardon ? Qu'entendez-vous ? Ah, mais oui, vous avez certainement raison. Il est temps pour vous de larguer vos amarres visuelles, de vous perdre, de quitter ces lunettes et ce casque. Déposez-les là, derrière vous, à l'intérieur de la valise que Marco Polo a laissée là avant de se perdre lui aussi. Je vous laisse avec vous-même. Et qui sait, peut-être nous reverrons-nous un jour. Ce jardin, c'est la taille de son marché. Ce jardin, c'est la taille de son marché.